Salut peuple de Dieu, j'espère que ça va. Ce que je tiens à la main là, c'est la parole de Dieu. Oui, la Bible. Ça c'est en anglais quoi, The Good News Bible. C'est une Bible, vous voyez, elle est tout vraiment déchirée, je veux dire, la couverture là, un peu. Ça dépend, soit je jette ou bien j'arrange, j'utilise. Donc j'ai envie d'utiliser cette Bible-ci là pour vous encourager. Vous un peu là, tout ça là. Mais les pages là, c'est encore bien, donc c'est juste la couverture, tout ça là. Donc, il faut juste que j'arrange. C'est comme ça notre vie quoi, nous tous là, sur la terre, notre vie, nous sommes tous malades, nous sommes nés dans les péchés. Il suffit juste qu'on essaie de donner notre vie à Jésus-Christ et le Seigneur lui-même là quoi. Il va encore arranger, restaurer notre vie. Donc comme vous voyez cette Bible là, je vais arranger ça et à la fin, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, je ne sais pas ce que tu es dedans. Je ne sais pas quel péché que tu as commis. Je ne sais pas comment ta vie est brisée. Je ne sais pas si tu as divorcé. Je ne sais pas si tu fumes la drogue. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas si on t'a dit que tu vas mourir. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Peut-être que ta vie est comme cette Bible-ci là, avec beaucoup de problèmes, de challenges de gauche à droite. Mais n'oublie pas que Jésus-Christ est la solution. Il a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu ici là pour les bonnes personnes. Il a dit qu'il est venu pour les malades. Ça veut dire ceux qui ont beaucoup de problèmes là. Jésus veut les gens comme toi là. Donc il ne faut pas se suicider. Ok, fais confiance à Dieu et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Les Bibles que tu vois là, tout ça est foutu, mais je vais arranger. Donc, ça c'est un exemple. Si tu fais confiance, le Seigneur va restaurer ta vie. Normalement, ces Bibles-ci, je pense que pour certains, ils vont jeter ça à la poubelle, oui, parce que vraiment, elle est déchirée. Mais il suffit juste qu'on essaie de retoucher. Pour un peu, ça va revenir encore une Bible exacte et vraiment très solide. On pourra encore utiliser ça. Ok? Donc, ta vie là, tu sais pas ton problème. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, je suis sûr que Jésus-Christ va arranger ta vie. Il va restaurer ta vie. À la fin, quelque chose de bien va sortir, quoi. Donc, il ne faut pas se suicider. Il ne faut pas laisser les problèmes de ce monde cela nous accompagner. Il suffit juste de donner la chance à Jésus-Christ pour qu'il essaie de arranger tout. Et il va même t'utiliser. Tu vas même devenir un exemple. Au fait, j'ai plus de 30 Bibles ici là, et tous ces 30 Bibles ici là, j'ai pris ça quelque part. Bon, ce sont des Bibles que les gens voulaient jeter. Moi, j'ai pris ça pour arranger. Et je vais vous montrer à la fin comment j'ai arrangé tous ces Bibles là. Et vous allez voir que on peut encore utiliser. Donc, c'est pour dire que ta vie là, je sais pas quel problème tu es dedans. C'est la cigarette, la drogue, la prostitution. Tu te lamentes, tu n'as pas de travail. Il suffit que tu donnes la chance à Dieu. Parce que Dieu est celui qui arrange tout. Comme tu as vu, je suis en train de mettre la colle. Et tu vois, je mets la colle. Et puis, je vais coller avant de scotcher. Un peu. Au fur et à mesure, et à la fin, on va voir. J'ai beaucoup de Bibles. Ils sont là, il n'y a pas de couverture. Vois un peu. À l'intérieur, c'est encore bien. Mais la couverture, là, ça dépend de moi. Soit j'arrange ou je jette. Dans notre vie, là, c'est pareil. Soit tu arranges, soit tu laisses Satan te détruire. Jésus-Christ est la solution. Donc mon frère, c'est juste pour t'encourager. N'abandonne pas. Donne la chance à Dieu. Et à la fin, tu vas voir que ta vie serait quelque chose de bien. C'est comme ça ta vie. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ va recoller ta vie. Il suffit juste que tu lui fais confiance. Et tu vas voir la fin de l'histoire. Comment il va t'utiliser pour faire des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. La maladie dont tu as peur là, il va te guérir. Si c'est la mort, c'est le divorce, manque de travail, je ne sais pas c'est quoi, le Seigneur va te restaurer. Bon, tu as vu? Voilà, la Bible, elle est complète maintenant. J'ai arrangé. Tout neuf, tu peux voir. C'est ça, c'est bien. Au début, vous voyez un peu, c'était tout déchiré. Elle est là, tout neuf. C'est arrangé. Vous pouvez voir, elle est là, arrangée. Donc là, maintenant, on peut utiliser. Et pourtant, au début, c'était gâté. C'est pour dire, si tu fais confiance à Dieu, le Seigneur va restaurer ta vie. Voilà plus de 30 Bibles. Tout ça là, regardez un peu, c'était tout gâté. J'ai arrangé le tout. Et je vais utiliser ça pour l'évangile. Donc, frère, si tu donnes ta vie à Dieu, le Seigneur va t'aider. Par l'exemple. C'est tout ce Bible-ci à jeter. Mais voilà ça, j'ai arrangé tout.
Le scotch représente la marque de ta vie. Peut-être que tu as perdu une main, tu as perdu ton mariage, tout ça. Oui, il y a les traces de ça, comme le scotch, c'est là. Ok, ça c'est les traces. Tu as perdu ton travail, tu as perdu ton enfant. Oui, c'est ça là, le scotch, comme tu peux voir. Mais si tu fais confiance à Dieu, il va t'aider. Comme tu peux voir, tout ça là, tu es déchiré, j'ai arrangé. Tout est parfait. Tout ça là, c'est parfait. Tu vois, j'ai tout arrangé. J'ai mis le scotch et tout, ça va. Donc, fais confiance à Dieu et crois en Jésus-Christ. À la fin, tu vas bénéficier. Tu vois, la Bible est là sur la table, elle ne bouge pas. Elle me laisse arranger. Donc, si tu te soumets à Dieu, tu laisses que Dieu travaille dans ton cœur, dans ta vie. Il va te restaurer et à la fin, tout serait neuf. Que Dieu te garde.